Donc, dans le cadre de ce grand débat et des grandes orientations sorties, la direction du développement urbain, dont j'ai la charge en tant que vice-président, travaille actuellement sur sa feuille de route, c'est-à-dire comment, dans le développement urbain du territoire, on prend notre part d'inscription dans cette transition énergétique. Alors, le premier thème est bien sûr celui de la moindre consommation d'énergie dans le logement et d'aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui du passive house, c'est-à-dire des logements qui non seulement ne consomment pas d'énergie, mais en plus éventuellement en produisent. Alors, cette feuille de route qu'on est en train d'écrire, c'est quelque part un futur référentiel avec un certain nombre d'items, de critères qui devront nous permettre de produire ce qu'on appelle la ville durable. Ces logements qui vont s'inscrire dans une pérennité, qui répondent aujourd'hui aux exigences environnementales de cette ville.